Et salut, c'est Faudrage. Aujourd'hui on se retrouve sur Mad Max. Alors hop, donc on était en train de nettoyer tout ceci. Et je crois que j'avais deux trucs ici, non? Faut sûrement que je reparle à lui. Et après on aura plus grand chose à faire à part peut-être nettoyer ceci. Bah vu qu'on est sur le chemin, autant le nettoyer. Voir ce qu'il y a et après on verra bien. Allez, en voiture. D'ailleurs, l'essence, faudrait qu'on voit aussi pour trouver autre chose. Ça serait bien de trouver. Là, on a de l'eau qu'on n'a pas récupérée. Bon, je vais attendre avant de le faire. Oh putain, je l'ai raté, dommage. Encore une autre voiture ici. Ah bah c'est ici, ça tombe bien. On va faire le tour si on peut. Ah, peut-être que je peux monter ici. Ah bah c'est ici. Ça tombe bien. Qu'est-ce que... Oh putain. Bon, alors. Est-ce que je peux te faire mal? Oui. Allez hop. Tu saoules. Dégage. Vas-y, répare la voiture, le temps que je fouille. Donc là, on a de la nourriture. On va pas le récupérer tout simplement parce que on a bah, toute notre vie. Et là, on a un truc à récupérer. Et c'est tout. Ok, il n'y a rien de vraiment spectaculaire. Donc, on va se barrer. Et on va aller doudoudoudou, récupérer notre quête ici. Et si jamais on voit un convoi, eh ben on essaie de se le faire. Donc c'est parti. Là nous avons. Oh. C'est quoi? Ah c'est. Vas-y là. On a. Ah si, le... Merde. Le turbo, on peut le... Ok, donc c'est pas mal. Oh, je sais pas pour... Qu'est-ce qu'il a? Il y avait un autre gars. Ah, il est là-bas. As-tu quelque chose sur toi? Non. Ok. C'est parti, on y va. On va faire sa quête de vautour, je crois, ou un truc du genre. Voilà, il y a une voiture qui est en flamme. Alors, on s'est encore loin là parce que. On en fait du chemin quand même. Hein. Ah, encore une autre voiture qui a pris feu. Ah, le voilà. Alors. Before you let fly your deadly lead, let me say, I wish to thank you. You've rid this place of the roadkill thrall rustlers. A token. Let me show you this lovely little land of loot. Alors, un esclave vous remercie d'être intervenu dans la grotte des esclavagistes et vous indique l'emplacement d'une. Cache. Ok, où ça? Vas-y, montre.
Ah oui, c'était ici. On va aller faire un tour. On aura peut-être des choses. C'est un convoi ça? Non, ça c'est pas un convoi. Oh putain, il m'a repéré. T'as une autre. Voilà, il est en train de se barrer, tant pis. Alors la cachette est juste là, d'accord. Oh, c'est juste ça. Oh, bah, j'aurais pu le trouver moi-même. Hein. Ok. Allez, vas-y, viens. C'est bon, t'es déjà KO? Putain. Alors. Ok, donc ici ça a été vite, très très vite. Et je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle qu'on avait quelque chose ici. Bon, bah tant pis. Hein. On va faire juste les quelques épouvantails qu'il y a ici. Et puis, je pense que cette zone va être déjà. Déjà bien nettoyé. C'est parti. Alors, est-ce qu'il... Ah bah super, on le voit d'ici. D'ailleurs, il y a eu en hauteur. Steel Titans still blight the lands here. Allez hop, on le fait tomber. Ah, il a d'ailleurs du métal. Voilà. Alors, voilà. Alors, 11 pièces. Et on est à 1000 des poussières de fer, donc c'est pas mal. Ensuite, ah bah on a un truc à fouiller ici. Donc on y va. On va le fouiller. D'ailleurs, il y a quelque chose. Putain, il y a plusieurs snipers. Pas eu un là des snipers ici là. Ah, je crois qu'on peut l'avoir, non? Oui, on l'a eu. Ah putain. Je suis là. Je crois qu'on a une balle, donc on peut peut-être... Génial.
récupère un petit peu de fer. Voilà. Ah, ok, d'accord. On l'avait pas vu ce petit camp là. Et ça a l'air d'être vraiment un gros camp quand même. Je crois qu'il n'y a plus de sniper. J'avais fait le ménage. Maintenant, ça serait bien de trouver un... là où je pourrais rentrer. Là, il y a l'air d'avoir quelque chose, non? Ouais, juste derrière. Ok, génial. On va s'arrêter ici et on va le faire dans cet épisode là. Bon, j'ai plus de munitions, c'est dommage. Donc on y va. Il y a de l'essence. Oh. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a comme matos? Donc lui, on peut lui prendre des trucs. Ok. Hop là, on se bat parce qu'il y a un sniper. Une cartouche de fusil, donc ça c'est bien. Faire avec un faux sniper. Il est où ce sniper là? Parce que je le vois pas du tout. Ah, il est là-haut. Ok, bon, bah on s'est fait avoir. On va continuer. Donc il y a quand même 3 snipers et puis vraiment pas mal de défense. Ok, on revient ici. Ok, donc ça rigole pas. Je vais essayer déjà avec le sniper. Avec la voiture. Wow, mais qu'est-ce que tu me fais là? Oh putain, je peux plus partir. Ok. Ok, ensuite. Hop, le sniper. Génial. Oh, il me les casse là. Voilà, j'ai même pas eu le temps de sortir. Bon bah on continue hein, jusqu'à qu'on arrive. Oui, il a beaucoup de défense hein, celui-ci. Mais on va y arriver. De l'essence. Je vais le prendre pour
faire un maximum de dégâts. Vas-y, maintenir. Ok, tu peux monter avec, ça c'est bien. Le plus dur c'était sniper. Oh là 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 là. Voilà pour cet épisode, c'est dur hein. C'est dur, faut que je reprends l'habitude. Donc déjà. Non. Redescends. Ok. On va chercher l'essence. On va le garder. Et on va pas l'allumer comme on a fait. On va utiliser une autre balle. Normalement, il me reste une balle dans le pistolet. Et on va directement. Je pense que en tuant le sniper, ça pourrait se le faire. Oh, d'ailleurs, il y a un. Ouais, il n'y est plus. Bon, j'ai raté. C'est bien, vas-y, tue tes potes. Ok, bon, celui-là va être, je pense, très chiant. Ok, génial. On l'a eu. Bon, non, c'est pas ça que je veux faire, c'est boire. On est obligé de boire, on a presque plus de vie là. C'était encore chaud. Hein. Mais celui-là, c'est. J'avoue que c'est assez dur celui-là. Bon, au moins le sniper, on l'a plus. Donc là, il y a quoi comme matos? Alors j'espère quand même qu'il y a du matos plus ou moins intéressant, quoi, des munitions et tout et tout. Ah oui, d'accord, ça c'est des trucs explosifs. On va le récupérer. Je me demande, est-ce que par hasard je peux lancer aussi loin? Non. On va quand même en prendre encore, hein, parce que ça peut être intéressant de le garder. Là, on va continuer à le récupérer. Ah!
Waouh! Il a explosé. Génial. Ah, franchement, génial. Alors là, il y a encore du matos. Là, pour des munitions. Là, il y en a combien? Il y en a deux. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est chiant. Vous savez, qu'est-ce qu'on... Vous savez quoi? On va récupérer encore un truc à lancer. Et ça va être vraiment... J'ai vu la pierre venir, mais j'ai pas bougé. Oui, je les ai eus. Ils ont eu un peu de dommages. Mais pas assez. Donc, ce qu'on va faire, c'est... On va... Est-ce que je peux ouvrir la porte en gardant ceci? Ok. Oh, punaise. Sérieux, vous êtes chiant, hein? Ok. C'est parti, on y va. Donc lui, il... We sit safe in the car. Tempête en approche. Eh hey, mais il y a combien de gars qui arrivent? Eh hey, là vous me saoulez. Hein. Wow, quoi? Eh hey, oh oh oh. Ah putain, franchement c'est dur. Hein. Ok, on revient ici. Tempête non approche. Ah, je peux monter là-haut. On va aller voir ce qu'il y a là-haut. Ça m'intrigue et la tempête est arrivée. Alors. Ok. On récupère ceci. Je peux le garder pour... Wow. Punaise. Oh là 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 là. Continuez. Ah c'est vraiment... Voilà, c'est bien la première fois qu'on meurt autant quand même dans un des épisodes. Need to fill up on water.
Oui. Ils sont tous armés de quelque chose. Eh mais vous me saoulez, non ? Someone take him out! Leave him to be massacred by Top Dog! Andy! Ok, on a enfin arrivé. On va récupérer ça, on va récupérer ça. On va détruire ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, on a un peu de métal, des munitions. De l'essence, ah, de la nourriture, ça c'est bien. Franchement, ça c'est bien. On va pouvoir récupérer pratiquement toute notre vie. Ok, l'arme, on va la garder. Je sais pas si on en aura besoin encore. Là, on va fermer les vannes. Je pense que c'est pour le feu. Hop, de l'essence, on n'a pas besoin. Alors. Ok, faudra qu'on trouve le moyen pour monter. Alors, le moyen pour monter. C'est par où? Ah, bah voilà. Alors. Du métal. Ok. Du fer à 7 sur 9. Peut-être qu'on aura un boss, qui sait. Hein, ça a l'air d'être vraiment quelque chose. Ah, de l'eau. Oh, ça tombe bien. Il y a beaucoup d'eau, oui, quand même. Donc ça c'est cool. On aura peut-être toute la gourde. Ouais, on a toute la gourde. Ça c'est pas mal. Alors, on fait toujours tomber notre... Ouais, ça a l'air d'être vraiment un boss. Alors, c'est parti. Ça, you killed your way here. Just so I can pleasure myself with your twitching corpse. To me, you are a big... Notre premier boss que vous pourrez voir, car j'avais fait un boss, mais ça lui fait rien du tout. Ok. Vas-y, arrête d'aller dedans. On va le blesser comme ça. Tout ce qu'on va faire, je pense, c'est de se balader. Vas-y, brûle. Oh, dommage. Ok, il nous a eu.
walking corpse. Ouais, il est à côté là. Il a pris feu. Donc c'est plus ou moins bien. Bon, on devrait pouvoir s'en sortir. You that raggedy man that's been standing up to Scrotus. Shut up. Il s'est repris le feu, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, brûle. Yes. Et vas-y, viens, on lui redonne des coups, et encore, vas-y. Vas-y, hop, esquive, esquive. Il reste... Non, qu'est-ce que tu fais? N'avance pas. Allez, viens, approche-toi. Ouais, il était devant là, hein. Franchement il aurait dû brûler. Hein. Allez, boum. Génial. Wow. Et voilà, on l'a eu. On n'a pas tout vu, mais ça c'est normal. Hein. On a encore pas mal de choses à découvrir. Prendre le butin. Alors, qu'est-ce que tu as sur toi? Tu avais 64 pièces de ferraille et 4 cartouches de fusil. C'est bien ça. Alors, on va pouvoir fouiller un petit peu ici. Alors. Ici, il y a un peu de ferraille. Nous, on en a quand même 1200 là, ça commence à bien monter, je trouve. L'emblème. Ok. Là, on peut peut-être encore y aller. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui brille là-bas. Ah, super. De la ferraille, le truc à collectionner. Voilà. Et on a récupéré tout. Génial. Bon, alors celui-là, faut avouer, c'était vraiment très, alors très dur.
Il nous reste quoi à faire? Là, on a nettoyé. Là, faudrait qu'on fouille ici. Ah bah, d'ailleurs, là, on a encore un autre truc à faire. Pressé information sur le monde. À la rigueur, peut-être qu'il va nous parler sûrement de ceci. Bon, bon, on va quand même aller faire un tour. Et je pense qu'ici, on va plus trop avoir grand-chose. Donc, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un j'aime et abonnez-vous. Allez, à plus.